les 40 000 supporters. À quelques minutes du coup d'envoi, la tension est à son paroxysme. Et c'est l'espérance qui domine les premières minutes du match. 17e minute de jeu, Hamrouni bénéficie d'un corner. Un corner magnifiquement tiré, la défense des Zamalek Leker qui panique et c'est Berekissa qui trompe Essayed de la tête. À 1-0 pour les Tunisiens, l'entraîneur Benzarti pense alors à un deuxième titre après celui gagné à la tête du club africain. En deuxième période, l'espérance domine un petit peu plus. À la 51e minute, la balle pour Belhassen. L'ailier trompe la défense des Zamalek avant de se faire sécher. L'arbitre Lee Kim Chong indique le point de pénalty. Ça va décidément de mal en pis pour les champions en titre. Pour ce pénalty, ce sera Bessayed face à Ben Lenja. Et du côté des supporters de l'Espérance, on fête bien évidemment déjà le titre. 11 minutes plus tard, un superbe mouvement collectif va concrétiser la domination des Tunisiens. Malitoli trouve Hamrouni. Celui-ci adresse une passe de près de 30 mètres à Ben Hassan. À l'arrivée, Rekissa trompe le gardien de Zamalek. Cette fois-ci à 3-0, c'est définitivement gagné pour l'Espérance. Du côté de Zamalek, c'est perdu, mais le club égyptien va quand même montrer ses qualités lors de ce match retour. Oscar, une passe au millimètre à Efet Nasser. Efet Nasser qui réduit l'écart à 2 minutes de la fin du match, mais c'est bien évidemment trop tard. Lee Kim Chong donne le coup de sifflet final et le stade explose. L'Espérance de Tunis remporte là sa première Coupe d'Afrique des Champions. Et pour la Tunisie, c'est quand même la deuxième en 4 ans. On s'est battu sur tous les ballons, sans exception. Il n'avait jamais le temps de savoir où il devait donner.